règlement. Marseillaise, formation au premier secours, éducation civique et rudiments militaires, le service national universel va être testé dès le mois de juin avec 3000 volontaires âgés de 16 ans, retenus dans 13 départements pilotes. Il se composera d'une première phase obligatoire de 2 à 4 semaines. La journée commencera par le salut au drapeau, ou le lever des couleurs, et puis le chant de la Marseillaise. La deuxième phase, elle, sera facultative et durera de 3 à 12 mois à effectuer dans un service public, une association ou dans l'armée. Objectif de ce service national universel, favoriser la mixité sociale et inculquer aux jeunes les valeurs républicaines.